Hey, salut Bix, comment ça va? Moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment réaliser un turn de 90 degrés. Alors dans cette vidéo on va voir tout simplement comment le réaliser de la meilleure des façons et surtout les erreurs à ne pas commettre. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les frérots, tout commentaire négatif du genre tu pues la merde, tu te crois fort, patati patata, trop peu pour moi, ils seront directement supprimés. Personnellement, j'ai appris à faire le 90 degrés sur des youtubeurs, sur des joueurs pros, et à la force de le faire, ça rentre et on le maîtrise plutôt bien. Et je pense être assez bon pour pouvoir réaliser à mon tour une vidéo et peut-être que les gens apprendront de ma vidéo. Donc voilà, et je ne me crois pas fort du tout. Alors, on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de mettre deux escaliers et de faire un mur devant et à droite. Vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Bon, voilà, ça c'est, on va redescendre. Alors, la deuxième étape, on va décortiquer le mouvement au ralenti. On met escalier, escalier bien serré à gauche. Au début de l'escalier, on met mur devant, mur à droite. On continue de monter, on remet les deux murs. Et là, on va mettre sol, escalier rapidement en avançant. Voilà, comme ceci. On descend. Je vais vous faire voir la manipulation en plusieurs étages. Donc, un, deux escaliers. On est au début du deuxième escalier. Tout de suite, les deux murs. On continue de monter. Les deux murs. Sol, escalier rapidement. Après, vous refaites la même chose, seul escalier rapidement. Vous refaites la même chose, seul escalier rapidement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer à vitesse réelle ce que ça peut donner. Voilà. Ça donne ça à peu près. Maintenant, on descend. Et une autre technique encore que j'ai oublié de mentionner et qui est très très importante pour reprendre de la hauteur, c'est tout d'abord de faire 3 escaliers au lieu de 2. Réalisez votre 90 et après une rampe et vous réalisez encore votre 90 pour reprendre vraiment rapidement la hauteur. Et c'est vraiment très très efficace. Alors la troisième étape va tout simplement être une autre méthode de réaliser le 90. Elle est un peu moins efficace je trouve, mais bon, au début, ceux qui n'y arrivent pas, bah, c'est toujours plus simple. Donc on refait l'escalier, on remet les deux murs, et là, on met deux murs, on met qu'un escalier en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, ça peut paraître mieux, mais c'est moins efficace déjà, simplement protégé vu qu'il n'y a pas le sol, et avec le sol, ça va quand même un peu plus vite malgré ce qu'on pourrait croire. Donc je vous fais voir, tac tac. Voilà, ça donne ça en vérité. Voilà pour l'autre méthode. Et la quatrième et dernière étape, c'est tout simplement les erreurs à ne pas commettre. La plus grande des erreurs que les joueurs font, c'est tout simplement de monter et arriver ici. Du coup, ils mettent sol, escalier, mais ils restent trop longtemps appuyés sur la touche sol, ce qui fait que ça leur met un sol aussi au-dessus. Comme ceci, regardez. Et après, bah, du coup, ils sont bloqués. Et c'est la plus grande des erreurs que je peux voir. Pour éviter ceci, il faut monter tout simplement comme ça, comme ceci, tac tac. Et là, c'est de sauter, mais d'aller très rapidement sur les touches. Il faut limite les frôler les touches comme ça. Ça ne pourra jamais se produire. Voilà. Et enfin, la deuxième erreur la plus fréquente, c'est celle-ci. Voilà, hop. Et en fait, arrive là, les gens mettent déjà leur mur. Et ils veulent monter tout de suite et mettre leur escalier et hop, ils arrivent à passer en dessous de l'escalier. Du coup, bah, ils se bloquent tout seuls et c'est une perte de temps. Ils sont obligés de redescendre ou de faire autre chose. Donc voilà, c'était les deux erreurs les plus fréquentes. Du coup, pour ne plus refaire cette erreur, tout simplement, vous montez là et vous mettez bien au bord. Et il faut veiller à ne pas sauter trop tard. Si vous sautez trop tard, c'est sûr que vous allez vous bloquer en dessous de l'escalier. Mais si vous êtes bien à gauche, vous montez, vous longez bien l'escalier à gauche, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Du coup, les frérots, cette vidéo touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le contenu et si vous avez appris des choses, ainsi qu'à liker et à commenter.
D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.